c'est pas le temps de te cacher. Ah! Salut. Don. Non. Celui-là, tu le manges. Quand est-ce que tu sors? T'es pas plus malade que moi. Mais il faut que tu reviennes, Lily, pour papa. S'il voulait de moi, il viendra me chercher. C'est pas vrai. Tu y as pensé? Allô, Sophie? Salut. Hey, pas de cigarette dans l'autobus, les gars! Je suis tanné de l'attendre, lui, tous les matins. Maudit, ça se peut-tu, ça? Hé, la bottine, grouille, un matin! Hé, il arrive! Hé, moi, je vais le dompter, moi! Laissez-les tranquilles, Henri. C'est un niaiseux, lui, pis ta soeur. Toi, t'es mieux? Ça y apprendra à être en retard. Vous êtes jamais en retard, vous. Comment vous gagez qu'il va arriver avant nous autres à la poli? Penses-tu qu'il va être capable? Ben voyons, il va arriver en retard. Il va arriver avant toi, Béjean! Ouais, comme la dernière fois. Ben, il faut que je respecte mes limites de vitesse, moi, hein? Comment il fait pour traverser le ruisseau?
Gâche-tu un deux qui arrive avant toi, Béjean? Pas si j'écrase. Ben, gars! Toi, l'ortie, gâches-tu? Ben, envoie! Gâche! Ouais, ben, t'as besoin de passer sur le gaz, Béjean, hein? Moi, je gâche pour Henri, qui gâche? Henri! Moi, je gâche pour Henri! T'es sûr que j'allais t'amener? Ben oui. C'est bien parce que c'est toi. Comment va Lily? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Est-ce qu'elle va sortir bientôt? Lily, elle veut pas sortir. C'est les affiches pour la police. Hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il a manqué l'autobus. Il s'est pas arrêté. Coudon, c'est toi qui courais sur le pont matin? Tu fais la course cette année? Je te l'ai dit un jour que je la gagnerais pour toi. Tu dis ça? C'est toujours Martineau qui gagne. Mademoiselle Pinchot. Oui, oui, c'est une belle journée. On a bien dormi cette nuit. Venez, M. Martineau, les affiches que Chabot m'a données pour la course. Oui, mais oui, qu'est-ce que t'attends? Va les poser. Ben, justement, je pense que je ne m'inscrirai pas à la course cette année pour donner une chance aux autres. Chabot, par exemple, ça fait 2-3 ans qu'il veut gagner. Qu'est-ce que t'en penses? Fais donc ça. Pour une fois, tu ferais des heureux. Mais parlant de rendre du monde heureux, qu'est-ce que tu fais à soir? J'ai du lavage. Tu me dis toujours non. Je suis une championne à ma manière. Je pensais que j'étais en retard. Ils sont jamais prêts. Je suis resté 5 minutes en face de la maison à Boisvin. Ouais, ouais, justement. Si on te paye, c'est pour les ramasser. Hey, toi. La job, c'est pas une course de vitesse. On va s'en parler de ça, hein? Les bas de gain. J'ai gagné! Henri est là! Je l'avais dit qu'Henri courait vite, hein? Ben voyons, il est arrivé avec Jeanne Pinchot. Bon! Ouais, crash! Ça compte pas, il est arrivé en auto! Hey! Hey! Salut! Ouais, toi. Ah ouais, crème! J'ai même pas gagé! Oui, t'as gagé! Hey, là, tu t'es perdu une pièce! Il a même pas couru! Hey, il est arrivé avant ou il est pas arrivé avant? Hey, tu me dois une pièce, la bottine! Hey, l'ortie, donne-moi ça! Et que belle, la petite soeur! Donne-moi ça! Donnez-y donc, sa petite soeur! Couches-tu avec Henri? Ah,
Pierre! Roger! Comme toi, non? Roger, assis! Mon bureau est croche! Prenez vos places! Aujourd'hui, nous allons voter pour celui qui va représenter la classe au concours oratoire. As-tu compris ce que j'ai dit? Non, madame. Nous allons procéder à la mise en nomination. Roger Beaumont, c'est mon dernier avertissement. Que j'ai fait. Bon, on passe à mon bureau, OK? Ouais, j'arrive. En tout cas, moi, je vote pour la bottine. Nommez l'élève qui sera le mieux vous représenter. Henri! 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 On en a trois. Pour rendre ça plus simple, est-ce que quelqu'un veut se retirer? Mais pourquoi vous me regardez? Je me retire, mademoiselle. Ben voyons, c'est toi qui es le meilleur. C'est ça, faites mes amnations, puis ça n'en est pas une. Ça s'appelle fermer vos gueules, c'est moi qui décide. On a nommé Henri, mademoiselle, c'est le meilleur. En tout cas, il va nous faire rire. Il va nous faire des imitations de la folle à Lily. Henri, c'est assez. Toi, Bernard Lortie, t'es mieux de rester tranquille. Comme ça, c'est entre Henri et Denis. Ceux qui sont pour Henri. Pour Denis. Henri, c'est toi qui vas nous représenter au concours oratoire. Yeah! Ouais! 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 Faites-vous en pas, Jeanne. Tu vas gagner. Hey, puis t'as besoin d'être là à l'heure demain, Jeanne. Vous êtes supposé attendre. Moi, je t'attends. Pa? Pa? J'ai été choisi pour le concours à l'école. Pa? Henri?
Henri! Henri! Quoi? Je fais mes devoirs. Qu'est-ce que tu veux? Réponds quand je t'appelle. Je suis là. Oui, non, ça merci. Oui, j'en viens. On peut plus rien dire. Le souper est prêt. Quoi? Ben, viens-tu manger? Non. J'ai pas faim. Tant pis. Madame Dussault est venue porter une de ses bottes. Les talons sont encore démanchés. C'est pas de ma faute. C'est toi qui l'as réparé. J'ai obligé de faire son talon gratis. Les chippies qui louchent. C'est une cliente. Pas respecter une cliente, même si c'est une vieille chippie. Mange pas si vite. J'ai un appel de Martineau aujourd'hui. Il me dit que t'aimes pas l'école. J'aime l'école. C'est Martineau que j'aime pas. Monsieur Martineau est un homme instruit. S'il dit que l'école te convient pas, c'est parce que... Je veux pas être cordonnier. Si tu laisses l'école, c'est ce que tu vas faire. J'aime l'école. J'ai été choisi pour le concours à... Je vais faire un discours sur le progrès. Le progrès. Qu'est-ce que c'est le progrès, hein? Le progrès, c'est... Tu vois, tu sais même pas ce que c'est. Samedi, on va voir Lily. On verra. Hey, faut y aller, c'est sa fête. On verra, je te dis. Où t'étais un matin? L'autobus n'arrêtait pas de klaxonner. Ben, j'ai un klaxon toujours. Ben, à quel âge que t'as fait ta première compétition comme nageur? Parle pas de ça. Je le sais. T'avais mon âge. Je t'ai dit de pas parler de ça. As-tu fait tes devoirs? Faut que je ramasse. Je vais ramasser, oui. Tu ramasses jamais. Henri, tu vas voir Lily? Tes devoirs. Ils sont faits, mes devoirs. Monsieur Boivin. Henri. Oh, je suis contente de vous voir. Est-ce que je peux vous emprunter Henri pour un moment? Ce ne sera pas long. Viens, Henri. Merci.
Julie. Bonjour. Bonne fête, mon ange. Je suis pas ton ange. C'est... Tu ressembles de plus en plus à maman. Je sais. Je t'emmène un cadeau. N'importe où pour que je mange. Bien ici. Henri s'ennuie de toi. Moi aussi. C'est de maman que tu t'ennuies, pas de moi. Ça prend du temps à oublier, Lily. Bonne fête, Lily! Bonne fête, Lily! Tiens. Fais-moi un beau vu. Médaillon, maman. Il est à toi maintenant. Mets-le. Où t'as pris ça? Ben, dans la chambre à maman. Fallait m'en parler. Tiens, garde-le, ton médaillon. Garde, reconduisez les enfants. Monsieur Boivin, suivez-moi. Et à toi, Lily. Je voulais juste te le donner plus tard pour tes 16 ans. J'aurai jamais 16 ans, jamais! Lily? C'est maman qui t'aurait sauvé, pas moi! Je vais aller la rejoindre bientôt. Enfin, tout le monde va être débarrassé de moi. Arrête, Lily, dis pas ça. Il faut que tu sortes d'ici. Il faut que tu fasses quelque chose. Je vais gagner la course du village, Lily. Juste pour toi. Mais il faut que tu sois là. Hein? Entends-tu, Lily? Et pas mieux. Pourquoi on la laisse là? Hein? Pourquoi? Elle serait bien mieux avec nous autres. Puis qu'est-ce que t'avais à chialer pour le médaillon? Tu vas finir tout seul! Tout seul!
Salut, Rock. Salut. Salut, Jean. Moi, t'as l'air décidé, mon gars. Pas de ton âge, ces courses-là. Hum? Ouais, ouais, ouais. Ça a du tempérament à part ça. Oh, c'est un jeune. Faudrait que tu me laisses regarder tes freins. T'en fais déjà assez comme ça. J'ai peur pour toi. Comment vont les inscriptions? Devine qui vient de s'inscrire. Ah ben, il a réussi à le faire partir. Tu laisses des enfants conduire des autos maintenant? Je suis pas un enfant. Ben, il n'y a pas de dommage. Cette fois-ci? Toi, je te défends de participer à une course qui est pas de ton âge. Vous avez pas le droit de me donner des ordres en dehors de l'école. On est dans un pays libre, non? T'es pas fâché? Il s'entraîne, lui, c'est pour ça qu'il gagne. Vous mêlez-vous donc aux oignons. Martineau a encore gagné. Ça tranche, hein? Voulez-vous aller vous faire chauffer les fesses ailleurs? La pédale au fond. Ah ouais, abac! En tout cas, je sais pas qu'est-ce que ça ferait si on allait changer notre vestiaire des filles ou d'autres. Oui! Tu vas y aller! Non! Non! Envoie, Boivin, va te laver, t'es sale! Ça, c'est rien qu'à le commencement. Bonhomme. On t'attend au discours. Un, deux, continuez. Là, tu travailles pas. Allez, les bras plus haut. Les bras plus haut, allez. Un, deux, c'est mieux. Allez, les genoux, pliez bien les genoux. Allez, pieds parallèles. L'énergie, c'est bon. Tiens, voilà notre coureur. Ouais, grouille!
Un, deux, un, deux. Pieds parallèles. Allez, un, deux. Allez, tout le monde. Un, deux, un, deux. Stop, 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 stop. Hey, qu'est-ce qui va pas? Il est passé aux douches, mais... Faut que je lave avant puis après. Silence, silence. Si, on va faire. C'est comme ça qu'on s'entraîne? Monsieur s'inscrit à la course du village, puis est même pas capable de sauter en même temps que les autres, hein? J'ai pas besoin de ça pour courir. Ça, c'est moi qui décide, OK? Hey, tout le monde, leçon numéro 4! Et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
En tout cas, je savais pas que c'était un flambeau. Ni la proue d'un navire dressé fièrement sur l'horizon. Je savais pas non plus que c'était la seule chance de la civilisation. Ou l'outil de notre conscient... Consciente... De notre marche vers le futur. Tout ce que je vois du progrès, je le vois ici. On a 5 banques, 3 compagnies de finances. Pour un village de 8000 habitants, c'est le progrès. Oh ouais, dis-leur, Henri, dis-leur! L'autoroute s'en vient, c'est le progrès. On va construire un centre d'achat, c'est le progrès. Ça a bien l'air des fois que, qu'on le veuille ou non, le progrès, on va l'avoir. Tous les mauvais élèves sont mis dans la même classe pour pas déranger. Bon, c'est le progrès. Puis après ça, quand on dit qu'on va aller dans une spécialité, on se fait dire, c'est complet, choisis d'autres choses. Ouais! Je suis pour le progrès, mais est-ce que le progrès, c'est pour moi? Le progrès, c'est pour ceux qui sont jamais contents. Ça va faire. Nous venons d'entendre un exemple de liberté d'expression déplacée. Silence. N'oubliez pas qu'après les résultats du concours, vous devez retourner chacun dans vos classes. Je demanderai à Mademoiselle Pinchot de m'assister, s'il vous plaît. J'en profite pour remercier tous les participants. Ils ont droit chacun à un livre qu'ils devront aller chercher au local C-133. Le gagnant, quant à lui, se verra décerner 2 billets gratuits pour la représentation théâtrale de notre troupe locale. T'es le meilleur. Henri Boivin. Ouais! Henri Boivin. Yeah! Henri Boivin. Oh là! Super! Henri Boivin. Henri Boivin. Assis-toi, là. Assis! Henri Boivin. Henri Boivin. Henri Boivin. Henri. 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 Pas ici. Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Henri Boivin, pourquoi tous les votes sont pour vous? Ben, parce que j'ai gagné.
Parce que t'as triché! J'ai pas triché! Ben, comment est-ce que t'expliques ça? Je suis capable de gagner tout seul! T'es disqualifié, passe à mon bureau. Et puis vite! Oui. C'est pas moi! C'est pas moi! À mon bureau! C'est ça qu'on voudrait effacer, hein? Je vais partir. Partir bien loin. Comme ça, ils me retrouveront plus jamais. Ouais, tu sais partir, hein? Ça règle rien. Je vais arrêter de me faire taper dessus. Ouais, puis si ça recommence ailleurs, tu vas continuer à t'en aller. Ben, au moins, je serai plus ici. Moi, je suis parti quand j'étais jeune. T'es parti, toi? Tout le monde était contre moi. Ah, puis pourquoi t'es revenu? J'ai pas aimé ce que j'ai vu. Peut-être que si j'étais allé un peu plus loin, je le saurais jamais. Puis c'est bien correct comme ça. Henri, il faut que tu t'accroches. Faut pas lâcher, mon gars. Hein?
C'est pas bien ce que t'as fait. J'ai rien fait. Exactement ce que Martineau m'a dit. Tu fais jamais rien, t'es toujours dans le trou. T'étais pas comme ça avant. Avant, personne n'était pareil. C'est de ma faute. C'est ce que tu veux dire. Ben, c'est un accident. J'ai pas été capable. J'ai pas été capable! Si tu me fais, je m'en vais comme Lily. Tu partiras quand je te dirai. Martineau m'a dit que tu t'inscris à la course. Lâche-moi, tranquille! Ah, viens! J'ai pas fini! Henri? Sais-tu quelle heure il est? D'où Jésus? Martineau est allé voir ton père, c'est ça? Tu peux arranger les affaires avec Martineau. Mais ton père, faut que tu l'aides. Hey, je fais juste ça, l'aider, je suis tanné. Je plierai plus. Je ferai pas comme lui. Je connais quelqu'un qui a besoin d'un bon bain. Viens. Ils m'ont attaché.
Mais je vole encore. Je vole haut, 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 haut. Puis je vole le monde entier, petit, 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 petit. Tu t'attaches? Pourquoi? S'il m'attache pas, je vais tomber. Je vais me faire beaucoup mal. Pourquoi tu viens pas? Papa, il arrête pas de me regarder comme si j'avais pas le droit de vivre. Ben, c'est pas vrai. Demande-lui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont rendus qu'ils l'attachent. Ils l'attachent! C'est pour son bien, Henri. Tu vois? Tu le savais. Tu le savais, hein? Je vais replacer ça. Hein, Liliane? Ce ne sera plus très long maintenant. Je me sens bien attachée. Monsieur Robin! Je sais, on a tous porté le deuil d'un être cher. Mais vous êtes responsable de la vie de ce qui reste. Il faut se ressaisir! Mêlez-vous de vos affaires. Elle a voulu qu'elle meure. C'est ça, hein? Elle a voulu que ce soit elle qui meure, puis pas maman. C'est ça, hein? Oh, oui. Lily, elle te rappelle trop, maman. C'est pour ça que t'as gardé loin, hein? Henri! Hey, à la fois.
chez vous. Hé, hey, viens un peu de bête contre Henri. Hé, hey, Henri, qu'on compte de bus. Grouillez-vous, les jumeaux. Ah ouais, c'est vite. Henri. Super. Pratique pour la tour du village. Vite, on va te joindre. Grouillez-vous. Vite, vite. Faute de votre gars, tout ça. Ouais, exagère pas. Ça a dû être toute une course, ça. C'est toi qui l'encourage à courir. Beau résultat. Il vient d'être mis à la porte. Wow! J'ai pas besoin de l'encourager. Il retient de toi. Henri, c'est de la graine de champion. Je suis champion de rien. T'as la mémoire courte, Joseph. Mêle-toi de tes affaires. Puis je veux plus le revoir avec toi. Il a déjà été plus fier que ça, lui. Si ta femme se noyait puis que t'étais pas capable de la sauver, qu'est-ce que tu ferais? Fini l'école. Tu n'auras pas me dire que c'est de ma faute, c'est moi qui t'ai poussé à lâcher. J'ai pas dit ça. Je suis même content. Comment content? Ben, je vais travailler, puis je vais sortir Lily de l'hôpital. Tu veux travailler? Tu commences aujourd'hui. Puis Lily? Écoute, Lily est mieux où elle est. Malheureuse, la maison. Ah, toi, t'es malheureux, pas elle. Bon, là, on parle au docteur. On va être ensemble. C'est déjà ça. Viens là.
la course annuelle Cross Country. Ouais! Tu reviens, hein? Ouais! Bonjour, Henri. Bonjour. Qu'est-ce que t'as? J'ai rien. Ça doit être ton tablier. Tu vas être cordonnier maintenant. Il n'y a pas de sous-métier. En autant qu'on fait ce qu'on aime. Dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, hein? T'as raison, Henri. Vaut mieux capituler maintenant. Pas d'espoir, pas de déception. Hein? Je t'avais amené un cadeau, mais... Voilà, ça te fera un souvenir. Salut. Bravo, Monsieur Boivin. Vous avez réussi sur toute la ligne. Son cadeau. Non, c'est à moi. T'as promis, plus de course. J'ai rien promis. Tu vas m'écouter. Non! Je suis ton père. Mon père? Toi et mon père? Donne-moi ça. Tu peux me battre, ça te donnera pas grand-chose. Je vais la faire, la course. Tu feras pas la course. Oui, je vais la faire. Je suis dans ma maison et tant que je suis dans ma maison... Garde-la ta maison, garde-la ta job. Moi, je m'en vais. Je m'en vais! Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Monsieur Boivin? As-tu vu Henri? C'est pas moi, son père. C'est toi qui mets des idées de course dans la tête? J'ai pas eu besoin. L'as-tu vu courir, ton gars? Quand il court, c'est parce qu'il est trop plein, puis ça, ça dépend pas de moi. C'est ma faute, je suppose? Non. C'est le vent qui passe. Vous avez réussi à le faire fuir, lui aussi? Monsieur Boivin, excusez-moi. Restez. Je sais plus quoi faire. Faites comme si votre femme était là. Posez-lui la question dans votre tête. Faut que tu manges pour la course. Dois manger. Hmm? Quand je vais venir te chercher, là, il faut que tu sois en forme. Hmm? On va aller jusqu'en Chine.
Papa va être seul. Tiens. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il a toujours voulu. Je suis là, mademoiselle Pinchot.
Et là... Coureur à vos marques. Toi, tu vas me payer ça. Vas-y, mon gars.